Hey, salut à tous, c'est Skyros, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, et aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale, puisqu'il s'agit d'un gameplay sur Plants vs Zombies Garden Warfare 2, et je suis en compagnie de Steam, salut à toi. Ça va? Bon bah, ouais, ça va, et toi? Bah ouais. Alors, je suis... présente-toi pour les gens qui ne te connaissent pas, puisque j'imagine qu'il y a des gens qui ne te connaissent pas. Ah, j'imagine, ouais, ben, petit youtubeur naissant. Non, ça va, ça se passe bien, et du coup, eh ben, on va tester cette bêta. Voilà, moi je suis trop content, parce que franchement, pour moi, c'est le jeu de l'année. Et puis voilà, quoi. D'accord, ok. Alors, effectivement, alors, moi, comment j'ai rencontré Steam? Je crois qu'on s'est rencontré l'année dernière à l'E3. C'est ça. Et donc, il faisait du Skylander, et puis bon, il fait tous les jeux comme ça, des jeux pour gamins, voilà, c'est ça. C'est pas irrespectueux de dire ça, non? Non, mais t'arrêtes. Alors attends, donc là, mais donc du coup, bah voilà, on a sympathisé, puis bah comme je sais que ce jeu-là, c'est un jeu qu'il attendait, je me suis dit pourquoi pas le faire avec lui, comme la bêta est gratuite, voilà, le jeu sort le 8 février, c'est ça que tu m'as dit? Alors officiellement c'est le 25, mais on l'aura avant, avec l'EA Access, ce sera le 18. D'accord, ok. Donc, moi je pense comme beaucoup de gens, j'ai joué Plants vs Zombies sur tablette, et là donc me voici sur Garden Warfare, donc j'ai jamais joué au premier. Alors attends, j'ai appuyé sur triangle. Alors voilà, je peux marcher. Alors est-ce que les zombies faut que je les tue ou faut que... Comment ça se passe? Non, non, va juste tout droit, tu suis les fumis. Et puis voilà. D'accord, donc j'ai laissé la petite cinématique des débuts pour introduire quand même. Nous sommes dans Zombie Garden ou Zombie Burbia. Ah mais putain, il y a le mec là avec je vais venir peur. Putain, j'ai même pas lu ce qu'il a dit. Bref, on incarne un petit tournesol super content dans une ville de zombies. Et on doit aller faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on doit faire? Eh ben écoute, c'est... Alors là, pour la bêta, il y a juste à se rejoindre. Après, il y aura une histoire quand le jeu sortira. Mais là, pour l'instant, il faut juste se rejoindre à un de spécial. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi ils ont mis cette cinématique, parce qu'il n'y a aucune logique au truc, en fait. Du popcorn dégoulinant de beurre, ce n'est pas illégal, j'espère. D'accord. Alors, le jeu est Peggy 7. Hein. Alors, voilà, un joueur sur un dans la zone, départ dans... Voilà, notre zombie, tenez bon. Ah, il faut que je tue les zombies, alors, là. Non, il faut juste que t'attendes la fin du compte à rebours, et puis après... Mais ils arrivent vers moi en courant! Non, mais le compte à rebours, c'est infini. Bah non, ils sont là, ils sont... Non, ils sont sur moi, tu rigoles! Mais non, ils me frappent! Le compte à rebours est pas du tout fini, mais il se fout de ma gueule, le con. Alors, attends, c'est peut-être les gros. Quand les gros viendront, là, ça s'arrêtera. Ah, il me dit rester dans le cercle magique. Alors il y a des boutons, merde, qu'on peut appuyer, je sais pas si ça fait quelque chose. Qu'est-ce que je fais? Ah, 7 secondes, oui, tu suis presque, et c'est stressant comme jeu, attention hein. Attention, interdit au moins 18 ans, et les cardiaques s'abstenir. Voilà, c'est bon, McFly arrive, putain en plus c'est une DeLorean et tout qui vient me... Non c'est ça, on dirait une DeLorean un peu genre Retour vers le futur. Ah c'est une DeLorean mais caravane quoi. Ah oui voilà, c'est Dave. DeLorean caravane. D'accord, ok. Oui. Bon, alors on va essayer de se rejoindre et donc on a des matchs en ligne. Voilà, front du jardin, les plantes d'un côté, les zombies de l'autre. Et aucun des deux camps ne parviennent à prendre le dessus sur l'autre. Une impasse épique. Et oui, on peut dire que le suspense nous tue petit à petit. Hein. Bienvenue dans le fond du jardin, c'est chouette ici. Alors les zombies ont décidé de s'installer dans le voisinage, c'est la guerre du fond du jardin. Effectivement, on se bat pour la cabane au fond des jardins. Mais voyons le bon côté des choses, j'ai planté un arbre sous ma maison. Eh ben putain, il a effectivement. Il est quand même assez positif, Dave. Mais note la subtilité, hein. Il a mis un arbre en dessous de sa maison, il a pas mis une maison au-dessus d'un arbre, tu vois. Oui, non, non, mais effectivement, non, mais la logique est là, je veux dire. C'est quoi ces trucs bleus qui flottent? Qu'est-ce que c'est? Ah oui, donc là je suis dans la baraque. C'est ça, et là je t'ai lancé une invite PSN. Ah. Pour me rejoindre en fait. D'accord, et eh bah ben, écoute, je vais aller te rejoindre tout de suite. Voilà, donc connexion en cours, connexion en cours. Ah bah connexion en cours, deux fois il te le dit dans le message, pour être sûr que t'aies bien compris. J'aime bien parce qu'il y a le petit taco qui se remplit en barre de chargement, donc c'est sympa quand même. C'est vrai, mine de rien, ça te dépayse pas quoi. Oui, 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 c'est tout. Le vieux stéréotype du mec qui habite au Mexique, tu sais. Ouais, ouais, là je me sens. Et je suis sûr que ça doit faire un moment que j'ai pas mangé de tacos, hein. C'est vrai, quand je suis arrivé au Mexique, bah forcément j'ai fait un gavage, mais bon, maintenant moins. Alors là, c'est toi. C'est ça. Et comment ça se fait que t'as l'air plus féroce que moi? Bah écoute, peut-être que je joue à Skylanders, tu vois, mais.
Mais attends, mais comment tu tires? Moi, je fais comment pour tirer? Eh ben avec les gâchettes. Mais Et même depuis... que tu... Et c'est ça, j'aurais pu shooter les zombies alors. Ah oui. Eh, on peut sauter, mais par contre, il y a pas de jetpack ni de double saut. Je suis un peu déçu. On peut courir sur les murs. Non, mais t'as un personnage zombie qui a un mini jetpack. C'est trop bien. Bon, vas-y, viens, on va jouer. Attends, regarde juste là, à la limite. Ouais. Ah, il y a une stripteaseuse ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Non, en fait, tu peux choisir le personnage. Ah, d'accord. Donc là, je peux prendre le citron que apparemment il était un peu cheaté. C'est ça. J'ai vu ta vidéo, hein. Non, mais j'ai vu ta vidéo, t'as dit qu'il était cheaté et tout. Alors, c'est t'as piste au poids, t'as mordeur. Moi, j'avais le tournesol. Ah, mais attends, je vais prendre le cactus, mon pote. Cactus, c'est bien? C'est bien, c'est bien. Après, vu que tu viens du Mexique, ça va pas te dépayser, non. Non, mais pas du tout, tu sais. Je veux dire, mon lit est un cactus, même. Je peux choisir plusieurs personnages ou bien non, juste un seul? Non, bah en fait, là, c'était juste pour te montrer les différents personnages, mais en fait, ils vont te demander d'en choisir un autre. Donc là, j'active le multijoueur. Merci. Attention. Oh putain! Qu'est-ce que c'est ce bordel? Le convecteur temporel est activé. Courons dans le groupe du matchmaking. C'est quoi comme style de match? Alors, c'est des matchs à mort, c'est de la simulation ou comment? Justement, ça là, ils sont en train de tester les différents modes. Aujourd'hui, on a le droit à ce qu'on pourrait appeler une capture de zone, tu sais. Mais une fois qu'on a capturé la zone, eh ben, il y a une autre zone à capturer un peu plus loin. D'accord, donc l'autre zone à capturer, c'est genre point stratégique sur Call of. Je sais pas si t'as déjà joué à Call of. Oui, c'est ça, tout à fait. Voilà, donc tu captures une zone, elle reste pendant une minute, et une fois que tu as capturé, tu gagnes des points, et puis après tu as une autre zone, etc. C'est ça? C'est ça, c'est ça. Alors, il n'y a qu'un seul personnage que je peux choisir, non? Parce qu'après, il y a les points d'interrogation, mais... Les points d'interrogation? Comment ça, les points d'interrogation? Bah là, il me dit mon personnage, bon, peu importe, allez, on s'en fout, on va aller. La partie a déjà commencé. C'est ça, là, nous, on est en défense. C'est-à-dire qu'on doit les empêcher de capturer le point. Là où il y a écrit protéger? Voilà, en fait, l'endroit où on est là, c'est la zone qu'il ne faut pas perdre. Là, on voit par exemple en haut, tu vois qu'on est deux dessus. Ça veut dire que pour que les zombies les prennent, il faudrait qu'ils soient trois, tu vois. Ah, donc nous, les ennemis, c'est forcément des zombies, c'est pas des plantes? Ouais, c'est des zombies, c'est des zombies. Mais les zombies, c'est l'IA ou c'est des joueurs aussi? Non, c'est des joueurs, là. Hein. Mais comment ça se fait? Alors nous, on aurait pu avoir... On va incarner des zombies après. C'est ça, c'est ça. En match aller, t'as ça, et en match retour, t'as les zombies. Quoi. Et les boutons L1 et R1, ça correspond à quoi? Alors, c'est tes techniques, par exemple avec orange, L1, enfin avec citron, c'est une sorte de grenade qui étourdit. D'accord. Avec. Attends, je me souviens plus ce que c'est. R1, c'est quoi déjà? Ah oui, c'est un bouclier R1. Et avec triangle, oui. C'est. Tu te transformes en boule en fait. D'accord, ok. Merci. Je vois pas de zombies, c'est normal? Ils jouent pas l'objectif ou quoi? Alors, c'est le problème, c'est que en ce moment, les gens comprennent pas forcément comment ça fonctionne. Après, normalement, ils devraient quand même venir, hein, sous peu. Ouais, j'en ai eu un! Et y a pas de rechargement! Alors, toi, non, t'as pas de rechargement, mais ton arme, elle peut surchauffer. D'accord. Je me suis fait tuer par The Sight! Merde! Et c'est quand même marrant! Bon, ça se voit que c'est réapparaître maintenant. Bah oui, pourquoi j'attendrais? Ouais! Alors on va partir, on va faire de la kill feed sur Plante versus Zombie. Allez, c'est parti. Montage. C'est ça, regarde, il y a de la feed là-haut. Hein. Ah ouais, non mais avant t'avais les montages sniper, maintenant t'auras les montages cactus, mon pote. ça rigole plus. Attends, qu'est-ce qui se passe là? Ça lag? D'ailleurs, je vais demander à être sponsorisé, je vais demander à Jardiland, un truc comme ça. Ouais, bien sûr. Non mais ça va de soi. Gamme vert. Putain, le mec, je lui nique de la vie, bordel, hein! Tu vas crever, sale bâtard! J'insulte même sur Plante versus Zombie, hein. Je suis mal barré dans ma vie, je crois. Oui, j'avoue. Le mec crache sur Plante versus Zombie, un jeu pour gamins! S'il te plaît! Ah putain, mais j'ai jeté un. Oh, mais il a. Qu'est-ce qu'il a, lui? Il est dans un robot! Mais depuis tout à l'heure, je tire sur des gens et ils meurent jamais! Ils ont combien de santé, eux? Alors, les robots, ils ont 450 points de vie. Il me semble. D'accord. Et en fait, à la base, c'est des petits diablotins qui ont les jetpacks, justement, mais au bout d'un moment, ils peuvent invoquer le robot. C'est-à-dire qu'ils ont pendant très longtemps que 75 points de vie, et après, ils peuvent invoquer le robot, ils ont plein de vie. Mais bon, ils sont pas imbutables non plus, quoi. D'accord. Ok. Et les zombies normaux, ils ont combien de points de vie? Ah, ça dépend, en fait. On va dire la moyenne, c'est 200. Ah ouais, parce que depuis tout à l'heure, je tire, je vois 25, mais. Ah, c'est comme toi, en fait, c'est le même nombre de points de vie, en gros.
C'est à peu près et pareil. Et mec, je tire dessus, ça fait rien. Mais le mec, il est en train de tourner sur place comme un con. Oh, je. Eh, ça lag un peu, non? Ou des fois, j'ai l'impression qu'il y a le décor qui apparaît sous mes PA. Et que mon bonhomme. Bah écoute, moi j'ai pas le problème perso. Freebird. Dis celui qui se la pète parce qu'il a téléchargé la bêta en une demi-heure quoi. 45 minutes. Ah, excuse-moi. Oh, j'ai tué un mec! Oh punaise! Allez vite! Et est-ce que les points de vie, les dégâts qu'on fait correspondent par rapport à la zone où on tire? Par exemple, si on tire dans le pied ou dans la tête, est-ce qu'il y a, une correspondance? Ouais, il y a une correspondance, ouais. Enfin, peut-être pas entre la tête, entre le pied et le genou, mais entre la tête et la jambe, ouais. Donc c'est quand même mieux de viser la tête. Ouais. Mais en fait, t'auras un petit décor autour du point de dégâts. Ce sera une sorte de... Tu sais, un peu comme les bulles dans les comics, dans les vieux comics. Ah, ok. Ça marche. Voilà, on est en train de gagner si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Ouais. Eh ben écoute, ça a l'air sympa. Mais grave. Mais par contre, tu vois, je suis un mec, il n'y a pas genre un score qui s'affiche ou quelque chose comme ça. Tu sais, tu tues un mec, si tu regardes pas la barre des feats, tu sais pas que t'as tué un mec, quoi. Bah si, en fait, si t'entends un schling, c'est que... Ah, bah, un schling. J'entendais plus pas... tout à l'heure. Ouais, non, t'as pas tous les trucs qui apparaissent en haut de l'écran comme dans Call of. Ça, alors, fait. Moi, je fais que tirer. Est-ce que, finalement, c'est bien d'utiliser L1, R1, etc. Ouais, parce que L1, tu vois, si t'as un gars devant toi, bah tu vas le sonner, par exemple, et tu vas lui faire des dégâts. Donc c'est vachement intéressant. Bah... On a gagné, là. Je peux plus tirer. Ah, d'accord, ok. je comprends pas, je peux plus rien faire. Ouais, trop facile, quand même. J'en suis... Ouais, on a gagné le Dave d'or. Les plans t'ont dominé, nombre de tatales de pièces. Est-ce qu'on peut faire... Oh putain, ça avait beaucoup. On peut faire un virement PayPal directement ou... Non, comment ça se passe? Ouais, ouais. Et par contre, je suis même pas dans le... Eh, t'es premier? Non, peut-être pas premier. Bah t'étais juste... Ah, mais si, t'es premier. Mais comment t'as fait? On a rejoué ensemble. Ouais, mais bon... Dans la vie, il y en a qui ont un pistolet chargé et puis... Non, mais t'es cinquième. Après, il y a toujours une gestion d'objectif aussi, tu vois, donc... Si j'ai défendu, si j'ai fait de l'assist, etc, tu vois. Ouais, t'es quand même largement au-dessus de tout le monde, hein. Ouais, c'est vrai, et pourtant on est arrivé en cours de partie, hein, mine ouais, de rien. Ouais, mais mine de rien, je suis quand même la quatrième, tu vois, donc... Bon. Ah ouais, non, mais moi je suis fier de toi, hein. Franchement. Merci, non mais merci. Bah tu sais, moi je veux dire, Plant vs Zombie, Garden Warfare 2, c'est ma jam. Moi, je vis pour ce jeu-là. Maintenant, Call of, c'est fini. Je vais dédicacer à Plant vs Zombie, Garden Warfare 2, ça fait long. PVZGW2. C'est pareil d'ailleurs, j'ai l'impression que c'est aussi long, même en raccourci. C'est vrai. Bon, on va s'en faire une petite deuxième quand même, parce que quand on aime, on ne compare. Non, parce que là c'était la défense, faut faire l'attaque. Ouais, alors ce serait vachement cool, c'est qu'on fasse la même map. Alors ça, c'est pas sûr, parce qu'il y a deux maps différentes. Et si on fait la même, franchement, c'est cool parce que la map est magnifique quoi. En fait, t'avances dans les saisons en fait, on va dire. Au début, c'est la préhistoire, après tu vas en Chine, tu vas machin, mais sur la même carte quoi, c'est un truc de malade. C'est pas vrai. Ouais, c'est pas vraiment ce qu'on pourrait appeler des saisons, quoi. C'est plutôt chronologiquement. Ouais, voilà, c'est ça. Et bah, c'est la même. Nickel. Nickel. Oh, graine du temps. Ouais, donc là, on a fait la première manche. Il y a deux manches au total, c'est ça? C'est ça. Alors là, fais changer d'équipe avec triangle. Enfin, okay. Sauf si t'es zombie. T'es zombie ou pas? Non. Ah bah, mets-toi zombie alors. Ah, ok. Il y en a un qui est mieux qu'un autre ou bien? Moi, je te conseille le diablotin. Le diablotin. Ah, tout le diablotin. Voilà, ok. Il est tout petit. Ah ouais, mais il doit être plus difficile à tirer, non? Ouais, c'est ça. Et malin, surtout, t'auras le robot qui s'activera. Ah. Et, en plus, et t'auras même une notification en plein milieu de l'écran, ça peut te rassurer. Oh, punaise. Je suis trop content. Je suis derrière toi. Alors moi, j'ai pris un personnage pour soigner. Ah. Donc je peux soigner les autres, voilà. Oh, punaise. Et on recharge ou pas? Ah oui, on doit recharger, d'accord. Alors là, il faut aller récupérer la zone. C'est ça. Oh putain, mec, il a mis un C4 ou un quoi? Mine c'était pirate. Ouais, c'est une mine de cactus. Merde, c'est-à-dire... j'avais le cactus tout à l'heure, je savais pas. Comment je sais quand elle est activée, le truc, c'est triangle, c'est ça? Ouais, du coup, ça va se recharger au bout d'un moment. Ah, je vois la petite barre de progression, effectivement. Ouais. Donc alors, là, il faut essayer de choper la zone, c'est ça?
C'est ça. Bon, je suis un peu inquiet qu'on ait été plante au début, parce que ça veut dire que genre ils ont fait un rééquilibre. Et ça m'inquiète un peu, donc j'espère qu'on pourra avancer quand même. D'accord. Mais normalement, bon, vu qu'on gère, vu qu'on est bon. Mais le mec, il a jeté un kill streak ou quoi? Et puis pistolet, non, mais. Et y a un mec, j'ai cru que je l'avais tué, mais en fait, non. Oh, d'accord. Et je suis vraiment. Je dois poser des questions tellement neuneux pour toi. Tu vas dire, ah, putain, mais il me casse les couilles avec ces questions. Ah non, du tout. Hein, c'est... Moi, je comprends. C'est vraiment particulier comme jeu en plus, quoi. Mais alors, ressusciter zombie. Ok. Bah, je suis trop gentil. non, en fait. What? On peut. D'accord. Ouais, bref. Je pose les questions parce que j'y connais rien. J'imagine que les gens qui regardent, y en a qui doivent rien connaître. Peut-être qu'il y en a qui connaissent, hein, mais il y en a qui doivent rien connaître. Non, mais c'est des questions. Non, mais c'est des questions intéressantes que tu poses. Oh, le robot. Ils répondent et puis, voilà quoi. Et donc du coup, bah, je pose la question comme ça. Les gens qui ne savent pas mais que ça intéresse, bah, ils auront la réponse. Oh, je me suis fait détruire mon robot. Ok, super. Voilà, donc au moins ça peut servir aux gens d'avoir les réponses, on sait jamais. C'est ça. Alors, est-ce que tu aurais des choses à dire, profitant que tu es sur la vidéo? Oui, alors ce que je peux dire, c'est que c'est un jeu qui sera jeu de l'année 2016, je pense, au prochain Game Awards. Non, franchement, moi j'adore ce jeu, tu vois, parce que c'est classe en plus, tu vois, c'est vachement beau, il y a un style, franchement... Ouais, non, mais il est sympa. Je veux dire, effectivement, comme tu dis, il y a un petit truc. Elle est où la zone à capturer? Elle est là-haut, putain, mais j'étais sur la même que tout à l'heure, moi. Le nono volant. Ouais, parce qu'en fait, là, du coup, on va passer un portail et on va changer de période. D'accord. De saison. Oui, de saison. Yeah, oh, t'as compris. Ouais, j'ai compris. Nous sommes donc, dans la cave. Là, nous sommes dans la préhistoire. Voilà. D'accord. Ah non, il faut capturer là-haut. Putain, c'est loin. Eh, hey, mais mec, il me bute en 2 secondes, quoi. Attends, bouge pas. Et il me casse les couilles, ce bâtard. Je suis sûr, c'est un gamin de 7 ans. Je me fais ridiculiser par un gamin de 7 ans. J'ai la honte. Ah merde, moi aussi. Est-ce qu'on a des dégâts de chute? Non, pas vraiment. Non. Oh putain, mais par contre, impossible à régénérer. Il paraît que la lave, ça brûle. Oui. Oui, alors je peux comprendre ce que. Il n'y avait pas ça par exemple dans le 1, et la première fois que ça m'est arrivé quand j'ai testé le jeu à Paris, je me suis dit, ah ok, d'accord, c'est vraiment la façon la plus con de mourir quoi. Mais en ouais, fait. Et bah je l'ai eu aussi, voilà, tu n'es pas tout seul. Parce qu'en fait la lave remonte, et on s'en oui. rend pas compte tout de suite quoi. Ah oui, parce qu'il y avait le passage, alors je commence à marcher, la lave remonte et. Oh putain, elle allait remonter encore une fois. Ok. Alors j'attends un peu, je crois qu'on peut sauter sur le truc, mais je sais pas encore trop bien juger les déplacements, donc je vais plutôt attendre qu'elle descende, voilà. Ok. C'est où à capturer là? Ah là! Attends, dès que je remeurs, je vais changer de personnage, je vais en prendre un qui peut créer des. Parce qu'il y a des téléporteurs qui peuvent être créés pour pouvoir avancer un peu. Et puis je vois qu'on a un ingénieur avec nous, mais il a pas l'air d'avancer énormément. Ouais, mais ils font chier les gens, ils savent pas jouer. Moi je suis là, franchement, tu vois, on a toujours des équipes de merde. Moi j'aime bien ce jeu là, j'adore, c'est mon jeu préféré. Je voudrais que les gens jouent sérieux quoi. C'est ça. Bah ouais, ça me fait chier que les gens jouent pas sérieusement. Je dis ça, je suis combien? Moi je suis quasiment dernier, hein, d'accord. Je dois me faire détester par tous mes coéquipiers. Je fais que mourir, hein. Je suis un petit peu la pute de Zombieland. Hein. Non, vraiment, là, là, c'est triste. Ok, je vais essayer de... En fait, j'ai remarqué, ils sont sur le point de... Mais mec, ils me tuent toujours en 2 secondes, les mecs, avec leur chardon magique et tout. Comment ça se fait qu'ils me tuent en 2 secondes et moi, je mets 15 000 ans avant de tuer les gens? C'est vrai. C'est... Parfois, je calcule pas non plus. Je te le dis ouais. Après. Mais c'est ce que tu me disais avant, c'est qu'il y a des gens, t'as l'impression que ça fait 5 ans qu'ils jouent sur le jeu, quoi. La ouais, bêta est sortie aujourd'hui. Ça m'a choqué. J'ai tiré dans tous les sens, je fais absolument rien, je suis trop content. Ok, là, c'est bon, on a libéré le truc, on va pouvoir créer le téléporteur. Je vais m'en occuper parce que le mec, il a pas l'air motivé. S'il est en train de le faire, attends. Bon, je vais faire en même temps que lui, de toute façon. Oh mais arrête, j'ai vide 3 fois mon chargeur, le mec. Santé restante 25. Ah putain. Eh ouais, mais là je suis tombé sur le citron, mon pote. Dès que je suis arrivé vers lui, il m'a mis son bouclier et puis voilà, je l'avais dans le cul. Mais effectivement, les mecs, ils savent jouer quoi. Bon, en même temps, c'est ma première partie, donc je vais pas non plus attendre à faire une triple nucléaire en live quoi. Il y a des kill streaks. Mis à part les L1 R1 triangle. Alors, il y en a pour certains personnages légendaires, ce qu'ils appellent personnages légendaires. Alors, je sais pas comment on pourra les avoir plus tard. Ouais, j'imagine qu'ils vont avec de l'argent. Alors, j'ai peur que ce soit ça, parce que c'est vrai que Plants vs Zombies Garden Warfare, le 1, c'était un jeu que tu pouvais avoir tous les personnages, vraiment tout, sans dépenser une seule thune, tu vois. Tu pouvais dépenser de l'argent, hein, mais t'étais pas obligé.
Ouais, mais j'ai l'habitude maintenant avec les jeux vidéo, tout ce qui est légendaire et épique, c'est en fait suivant ton compte bancaire, quoi. C'est si tu peux t'acheter le légendaire et l'épique. Ah, c'est chaud, il reste combien de temps là? Oh, oh, ça capture, c'est bien. Ouais, j'étais sur le point, mais je me suis fait ratatiner par. Par un rayon orange, voilà. Que mine de rien, il nous reste une minute pour capturer. On n'a plus le téléporteur. Ça ne sent point bon. Ouais, non, mais je le sens bien qu'on est dans la merde. Pourtant, on a bien capturé le premier, c'est un peu malheureux. Alors là, il dit à chaque fois à ressusciter zombie, mais je sais pas trop ce que ça fait exactement en fait. En fait, si tu maintiens, bah tu ressuscites, comme ça t'es pas obligé d'aller. Enfin, le mec est pas obligé de revenir de je sais pas où, tu vois. Mais arrête, je suis. Putain, j'ai niqué le micro. Je suis allé sur la zone et je me suis fait tuer encore par une mine patate. À chaque fois, je tombe dedans, c'est pas possible. Je suis vraiment une patate, hein. Mais ça fait rager surtout, quoi. Bah, j'arrive sur la zone, y avait plus personne et comme par hasard, j'imagine que la mine elle fait pas non plus 3 km de diamètre. Et je tombe toujours dessus, c'est pas cool. Alors par contre, je t'ai posé une question, je suis vraiment désolé parce que j'avais même pas écouté la réponse. Mais à vrai dire, je me souviens plus de la question. C'était les trucs ressuscités. Oui. Donc en fait, quand tu maintiens, tu ressuscites le mec qui vient de mourir. Et du coup, ça va aller vite, tu vois, de revenir de très loin, quoi. D'accord. Il revient tout de suite à tes pieds, quoi. Ah, ok. Les plantes ont défendu, nous avons donc perdu. Et ouais, c'est triste. C'est triste, et bah honnêtement, c'est fini la partie ou quoi? Ouais, c'est fini. Meilleur joueur? Putain. Eh, t'es pas dedans, la honte, hein, tu me déçois. Hein. J'aurais dû demander à Revolt qu'il fasse la vidéo avec moi. Non, t'es quand même premier de nous. 10 éliminations, mon coquin. Et ouais, non mais attends, MLG et tout. Hein. Ah ouais, bon, j'en ai fait 5, bon, 6. Oh, ça va, je suis au milieu du classement, c'est-à-dire que. Je suis moyen, je suis pas ridicule, je brille pas forcément. Mais bon, voilà, c'était ma première partie sur Plants vs Zombies. Garden Warfare 2, à pas oublier, bien évidemment. Mm. Et bah écoute, c'était un jeu sympathique, on va dire. C'est pas forcément le jeu, je vais brûler à sa sortie. Alors je vais quitter, parce que bon, bah, une partie, histoire de montrer un peu. Je vais pas forcément me ruer à la sortie du jeu, mais je pense que ça peut être sympa de jouer un petit peu. Je pense que c'est un jeu qui peut être sympa pour jouer avec des potes ou sans pression. Voilà, vraiment, pour pas se prendre la tête, quoique je me suis quand même énervé 2-3 fois. donne-moi justement toi ton... Bah, mis à part que t'as dit que c'était le jeu de l'année, alors. C'est ça, c'est pour moi c'est le jeu d'année. Non, plus bah, sincèrement, après, c'est... chacun sa catégorie, je veux dire, bien évidemment. C'est ça. Non, mais plus sincèrement, comme tu l'as dit, c'est un jeu à jouer entre potes. Franchement, c'est moi je trouve ça super marrant. En fait, j'ai rencontré plein d'abonnés avec qui je discute maintenant, tu vois. Parce qu'on a joué à PVZ, tu vois, au premier. Et franchement, bah, c'est détente, quoi. C'est vraiment sympa de jouer à ce jeu. Moi, perso, j'adore. En plus, il y a une durée de vie incroyable avec tout ce qu'il faut débloquer, les personnages, les costumes. C'est vraiment abusé, quoi. Il y a trop de trucs à faire. Moi, je le conseille à tout le monde, perso. Bah, je suis pas inquiet. Il est plaisant visuellement. Je veux dire, il est ce petit côté enfantin, mais quand même shooter où tu dois démolir les gens. Je veux dire, c'est un bon mélange des deux choses. C'est pas trop le genre de jeu auquel je joue généralement. Même si j'aime jouer à des shooters, c'est pas vraiment sous cette forme-là. Mais finalement, le fait qu'il soit coloré, il est sympathique. Voilà, il t'est sympathique. Et finalement, pour quelqu'un comme moi qui ne connaît absolument pas, t'arrives dessus, même si tu te fais tuer, etc. C'est quand même rigolo. Tu passes finalement un bon moment. Tu vois, ça fait une demi-heure qu'on est dessus. Et finalement, j'ai pas vu le temps passer. Ouais, pareil. Mais pareil, il y a un autre truc. C'est il y a deux catégories, tu vois. Il y a les gens qui vont venir ben, un peu comme toi ou des gamins, tu vois, pour se détendre, etc. Et puis, il y a le gars qui va apprendre les 12 classes avec les 12 techniques, enfin, les 12 fois 3 techniques différentes avec les techniques, parce que plus tard, on pourra modifier les techniques. Tu sais que tu as en L1, R1, etc. Tu pourras les modifier pour en avoir d'autres. Au final, tu dois apprendre, genre, 150 techniques, tu vois. Ouais, mais après, vois, j'imagine côtés, que ça dépend comment ça se fera le matchmaking. Parce que là, c'est la bêta. Donc, la bêta est gratuite pour tout le monde. PS4 et Xbox One, jusqu'à quand? Jusqu'au 18, mais je pense que ce sera jusqu'au 19. Jusqu'au 18-19, donc voilà, si vous voulez tester, c'est gratos la bêta sur Xbox One et PS4. PC, non? Non, malheureusement, non. Ok, et de toute façon, j'imagine, après, il faut voir comment le matchmaking se fait. Si bah, les gens qui débutent comme moi sont mélangés avec les mecs qui ont appris les 120 techniques, effectivement, je pense qu'on n'a aucune chance. Et finalement, c'est un petit peu comme dans Call of, tu vois, quand t'es mis face à des mecs qui gèrent, bah, tu t'amuses pas vraiment à te faire défoncer la gueule, quoi.
Oui, c'est sûr. Donc faut voir après comment c'est géré. En tout cas, bah écoute, j'ai passé un bon petit moment. Merci à toi d'avoir participé à la vidéo et être venu découvrir ce jeu-là et en parler un peu plus parce que moi je suis pas du tout expert. Donc finalement, un avis d'un connaisseur est toujours plus intéressant à écouter. Donc Merci à toi de m'avoir invité. et bah, y a pas de souci. Écoute et puis bah peut-être à très bientôt pour de nouvelles aventures sur un autre jeu ou peut-être même le même, va savoir. En tout cas pour vous qui regardez, j'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, donner vos impressions, si vous avez des questions, des suggestions et si ça vous a plu, bah n'hésitez pas également à mettre un petit pouce vert, un like, un pouce bleu même je crois qu'il est. Enfin bref, peut-être qu'un jour il sera rose, donc un pouce rose si jamais au moment où vous regardez il est rose. Voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce rose. Et puis bah pour ma part, je vous laisse, je vous souhaite une excellente journée, que du bonheur, que des bonnes choses, et je vous dis à la fois prochaine. Allez, ciao, bye bye! Salut!